Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Fallout 4, l'épisode numéro 2. On s'était arrêté après être descendu dans la brise juste avant l'explosion nucléaire et nous allons tout de suite continuer. Pardon. Montez l'escalier. Montons. Donc j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme parce que moi oui. Bonjour. Une fois que la brise sera verrouillée, on aura tout le temps de faire connaissance. Homme avec enfant. Prenez une combinaison, puis suivez le couloir. Ça me paraît bizarre. Excusez-moi, j'arrête pas de trembler. Là-bas. Excusez-moi. Avancez jusqu'à la table. Une combinaison par personne. Il y a un problème avec nos bagages. Ils nous ont demandé d'attendre. Il vous faut une combinaison pour accéder au reste de l'abri. Bienvenue dans l'abri 111. Prenez tous vous sentirez chez vous, on n'a rien de temps. C'est ce que vous porterez dans l'abri. Merci. Et maintenant ? Suivez le médecin. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Bon, vous trois, suivez-moi. Excusez-moi. Suivez-moi. Allez, je te suis. Vous serez bien juste ici. Là. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. On a tout perdu. Notre maison, tout ce qu'on avait. Madame. Mes parents étaient à Washington. Combien de temps est-ce qu'on va rester ici ? On vous expliquera tout ça lors de l'orientation. Mais d'abord, on va commencer par un examen médical. Vous serez bien ici. Ça me va bien, non ? Je coche juste les gens sur la liste au fur et à mesure. Confortable que chic. On est paré pour l'avenir, pas vrai ? Oh, de la cryogénisation ? Excusez-moi. Entrez dans la capsule. Ça va aller. Ah non, c'est pas de la cryo, c'est de la décontamination. Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Fonction vitale de l'occupant, normale. Procédure terminée. Ah, c'est bien de la cryogénisation, hein. Comme je pensais. Parce que je sais à quoi ça ressemble, vous voyez. Mais ça semble que c'est bien des capsules de cryogénisation, oui, tout simplement. Non. Combien d'années nous réveillons plus tard, encore une fois ? Non. Hors du temps, quittez l'abri 111. Allez, il doit bien y avoir une ouverture. Dysfonctionnement de la capsule. Oh, bon sang. D'ouverture de la capsule.
Comment Voltec a pu faire une chose pareille? Allez, allez, allez. Oh non. Et je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Je te le promets. C'est pas possible qu'il ne reste que moi. Ouais. Il y a quelqu'un? Mon Dieu. Mon Dieu. Oh. Ils sont tous morts. Ok. Tu arrives bien en appareil souvent. Prématuré suite à une panne du système. Système de survie. État des occupants de l'AC des capsules. Affixé, lié. Ok. Comment je fais pour survivre moi? C'est pas normal. Ok. Fonctionnement de la commande manuelle d'ouverture de la capsule cryogénique. Est-ce qu'il y avait d'ailleurs un terminal ici? J'ai pas vu. Ah bah voilà. Commande à distance activée pour nous. Ok. Dysfonctionnement de la commande manuelle d'ouverture de la capsule cryo. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un nous a sauvé à distance? Oh. Alors, terminal de sécurité, que partage celui-là? Ah, celui-là est conçu pour faire les effets à long terme d'une hibernation. Ok. Oh, ils ont tué les autres. D'accord. Pourquoi c'est de l'aller avant les autres? Bizarre. Hmm.
Ok, donc la dernière entrée, ils ont sorti de l'abri, mais est-ce qu'ils sont encore vivants? Je n'en suis pas si sûr. Ah, c'est dans ce classeur-là. D'accord. J'ai pas vu ce qu'il peut y avoir par là-bas. Non, avant on devait passer par ici, je crois. Inaccessible, d'accord. Dysfonctionnement de l'ouverture d'urgence de la porte de sortie. Prenez contact avec votre représentant de maintenance Voltec. Ok. Des cafards géants? C'est quoi ce bordel? Qui dormait ici? Non, je peux pas. Ça non plus, je peux pas. Non. Petit terminal. Top 10. Ok. Ah, flûte. D'accord. On va l'éjecter, éjecter la bande. On va les garder pour nous. Tada. De la bière. Oh bah je veux pas me souhait. Avec le temps qu'elle prend pour s'asseoir aussi. Pas marcher dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont tous les autres? Bonne question. Est-ce qu'il y a des survivants? Ils ont pu sortir? J'essaie de voir s'il y a quelque chose. Pas mal. Attends-moi, je reviens. Oh.
D'accord. Il faut que je l'éjecte, que je... Elle me faut la capacité de déverrouillage maître pour la faire, celle-là. Ou alors c'est juste la difficulté. Il faut que je trouve... Crocheter. Assez sale quand même. Alors... Ah oui, j'ai pas regardé le terminal. Suis-je bête? Oh, pour le superviseur. Ouais... Ça c'est bon, j'ai déjà lu. Vous mettrez sur pause si vous voulez lire également. Bon, les provisions et la mutinerie. J'espère que vous n'entendez pas mon clavier également. Ah, nice. Je veux le cryogénisateur. Si seulement j'avais une épingle à cheveux. Si seulement. J'ai mes munitions, moi. D'accord. Alors, quelles sont les touches, hein, le corps à corps? Je suis bête. Ok. Oh non. Non mais je veux pas m'asseoir. Allez, reste là tranquillement. Je pense que nous allons sortir de l'abri puis nous allons nous arrêter là. Ah, plus de radiation, ben, j'aurais pas dû. Je ne pensais pas. De quoi ai-je l'air? Je peux pas voir. Oh non.
Bip, bye. Alors, du petit bric-à-brac. Wow. Tableau d'attitude. D'accord. De toute façon, j'ai pas encore un niveau, donc... C'est commande de la brille, allons voir ça plus tard. Je vais passer par là. Non, je suis déjà passé. Ah oui, je suis juste de l'autre côté de la porte, d'accord. Active-toi. Séquence d'ouverture de la porte de l'abri initialisée. Veuillez reculer. Que je revienne ici plus tard. Cryolator. Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. J'arrive fort au brouillard quand même. Nope. Bon retour à la surface et merci d'avoir choisi Voltage. No problème. La petite tube pourrait vous plomber et réduire votre voire éliminer les dégâts de radiation provenant de nourriture et de boissons. Oh, ça c'est nice. Ça il me le faut. Donc on va y voir à quoi ça ressemble à l'extérieur et je pense que nous allons nous arrêter là.
Même, je suis sûr. Alors. Ouh. D'accord. Eh bien, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était Dustel, prochain petit manage HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo!